Avec vous comme tous les matins pour cette nouvelle émission du Tigre qui s'intitule Analyse crypto du jour. Est-il temps d'acheter du Bitcoin C'est ce qu'on va voir dans l'émission d'aujourd'hui. Donc on va dans une première partie faire notre point sur les crypto-monnaies. On va regarder si justement il est temps d'acheter du Bitcoin ou non en fait hein, vu qu'on a une belle stabilisation euh, sur le niveau des, euh, des 40 000 qui ont été franchis d'ailleurs hier, Alors, on peut légitimement se poser la question du est-ce que le pire est passé, est-ce que je dirais la phase de panique où on est justement descendu jusqu'à 30 000 à un moment donné est terminée, qu'on peut petit à petit reprendre les mouvements de hausse, ou euh, est-ce qu'on est encore dans une situation un petit peu compliquée Ça c'est dans une première partie. Dans une seconde partie, on regarde toutes les autres crypto-monnaies euh, et on les analyse une à une. Donc les tokens Ethereum. Euh, et euh, les, 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 les cryptos qui ont leur propre blockchain également. Euh, on regarde dans une troisième partie actions, devises, matières premières. Je vous rappelle aujourd'hui le gros euh, le gros point de l'actualité du monde traditionnel entre guillemets, euh, c'est euh, Biden, Joe Biden qui va rencontrer Vladimir Poutine en Suisse. Euh, donc c'est le gros rendez-vous en tout cas de de de, de la journée. Je vous rappelle on rappelle qu'on est mercredi. Il euh, y a également la Fed qui va continuer à s'exprimer par rapport. Aux chiffres et notamment aux chiffres de l'inflation qu'on a eu la semaine dernière, jeudi dernier à 14h30, l'inflation aux États-Unis qui est ressortie à 5%. Euh, Qu'est-ce que tout ça, ça, ça implique pour nous On en parlera dans une euh, seconde partie. Puis à la fin, on se fait la session questions-réponses comme d'habitude. Je vous lance l'introduction. Vous êtes bien en direct sur Facebook, sur YouTube. C'est parti Ok les amis alors on va saluer déjà les premières personnes présentes parmi nous Yvonne, Fabian, Gironimo, euh, Tony également qu'on salue. Bienvenue à vous les amis. Si euh, d'ailleurs vous euh, vous avez comme moi crié toute la nuit hier. Justement pour célébrer la victoire de l'équipe de France euh, sur l'Allemagne 1-0, un but contre son camp. Vous prenez, bien évidemment, vous, vous le saviez que j'allais ressortir ce fameux, euh, ce fameux coussin. Vous prenez le pouce bleu, vous prenez votre marteau de tort et vous défoncez le pouce bleu. Ça sera euh, une dédicace à notre équipe de France préférée. Super match d'ailleurs, de buts refusés, euh, cause hors jeu, discutable. On euh, n'en discutera pas aujourd'hui, mais peut-être dans une prochaine émission. Allez, c'est parti, je vous lance le live. Alors. Bitcoin, est-ce qu'il est qu l'heure d'acheter du Bitcoin ou non euh, Voilà, c'est tout simplement ça la question. Si vous me posez la question, je vais vous répondre par un. Alors, encore une fois, et tiens, c'est très important, je ne suis pas conseiller en investissement. Toutes les informations que je vous donne ici ne sont pas des conseils d'investissement, ne doivent pas être interprétées comme telles. Je vais rajouter un disclaimer d'ailleurs dans l'introduction, ça m'évitera d'avoir à le dire. Euh, mais, euh, mais il faut que je le dise. Euh, tout ce que je vous donne ici, c'est mon avis uniquement. Et pour moi, oui, effectivement, alors. Le bitcoin dans tous les cas entre la MM200 et la MM365. La MM200 c'est la ligne jaune que vous avez ici. La MM365 c'est la, la ligne verte que vous avez ici. Dans tous les cas, quand on achète sur ce type de prix-là, et encore une fois on peut, on peut le, le voir de façon encore plus claire, hein, je veux dire avec le Bitcoin Rainbow Chart qui n'est qui, qui rien d'autre en fait qu'un qu graphique du Bitcoin sur une échelle logarithmique. Le but c'est de lisser les prix et de déterminer des zones d'achat et de vente. Et ce qui est bien c'est que ce site, blockchaincenter.net. Bah, fait le travail pour nous, d'accord Fait le travail pour nous et vous avez ici la possibilité de regarder les prix, les, euh, enfin déjà d'avoir les dates des prochains halving. Donc, un halving, c'est quoi C'est quand, euh, quand la rémunération des mineurs de bitcoin diminue. Vous le savez, tous les 4 ans, en fait, la rémunération des mineurs est divisée par 2. Le but, c'est quoi C'est qu'à la fin, en fait, on est de moins en moins de bitcoin en circulation et puis qu'on atteigne justement le chiffre des 21 millions de bitcoin. À terme, d'accord euh, La date du prochain halving, je vais vous la montrer, vous l'avez ici, elle n'est pas pour tout de suite, hein, c'est dans 4 ans, enfin dans 4 ans à partir de 2020, ça sera pour 2024. D'accord Et en 2024, un Bitcoin qui vaudra logiquement 42 000 dollars, plus ou moins le prix qu'on a aujourd'hui, hein, aujourd'hui on a 40 300, voilà c'est plus ou moins ça, hein. en 2024, un Bitcoin à 40 000 dollars, ce sera un Bitcoin en solde, d'accord Le prix théorique du Bitcoin devrait être... Alors, devrait être parce que c est, c est, tout ça c'est théorique. Hein. Mais voilà, un, un bitcoin en 2024, si ça vaut 145 000 dollars, c'est quelque chose de normal. Et un bitcoin, si en, en 2024 ça vaut 500 000 dollars, on est sur une zone de, 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 de bulle en fait, hein, tout simplement sur le, sur le BTC. Là, actuellement, euh, par rapport à la période dans laquelle on se trouve, alors pas dans le futur, mais dans le présent pur, on est en fait sur un niveau de prix qui est correct. Enfin la zone jaune ici, c'est une zone en fait qui, qui montre que le Bitcoin a un prix théorique qui est correct par rapport à ces données historiques. Si on prend depuis le début euh, du, du Bitcoin, en tout cas ce graphique qui démarquant, il démarre en 2012. Depuis 2012, si on achète là avec cette échelle logarithmique, on ne se trompe pas. On ne fait pas une bonne affaire. Clairement, euh, les bonnes affaires se situent entre 12 000 et 24 000 dollars le Bitcoin. Zone bleue que je vous ai mise ici, mais on ne fait pas une mauvaise affaire non plus on n'est pas en train d'acheter à 60. Donc la mauvaise affaire, ce serait d'acheter. Effectivement, euh, vous le voyez, donc les prix indiqués ici, hein, 58 000, 60 000, euh, 95 000, euh, 100 000 dollars par BTC en 2021, ça serait effectivement pas forcément une bonne affaire. En tout cas, d'après ce graphique. Encore une fois, et ce graphique-là n'a pas vocation à être le graphique euh, euh, en mode, euh, il faut le suivre aveugl euh, aveuglément comme dans une secte. Hein. Rien à voir. C'est un graphique qui nous permet de gagner du temps dans nos, dans nos analyses et dans nos points d'entrée à l'achat. Donc est-ce qu'il est temps d'acheter du bitcoin Pour moi, en fait, si on, on, a, un, euh, alors, si on a une optique d'investissement à long terme, pas, on ne fait pas une mauvaise affaire. Euh, Redalio, d'ailleurs, qui est un des, des gestionnaires de fonds américains les plus connus, a lui-même acheté du bitcoin pendant cette chute et, et en a profité. Et puis en même temps, tous les, fin, toutes les personnes qui euh, sont un peu influentes et qui veulent rentrer sur le bitcoin à long terme sont rentrées pendant cette chute. Pour moi. Je, euh, je bah oui clairement je suis pas forcément contre en fait hein. c'est pour moi c'est pas forcément une mauvaise chose d'acheter du BTC ici alors je vais essayer de vous faire un petit, euh, un petit schéma, je suis en train de mettre l'iPad ici Hop et on va, alors, on va, se, on va partir sur euh, nos petits schémas euh, Voilà super Et je vais vous brancher tout ceci Mais ce que je vais vous expliquer c'est que hop Et on va passer directement sur, euh, sur l'iPad Alors Hop, c'est parfait. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on, euh, on est à 40 000 dollars le Bitcoin. On est à 40K. Donc, effectivement, si on regarde en fait ce, ce graphique du Bitcoin Rainbow Chart, voilà, on va dire que ça, c'est la zone rouge. C'est la, euh, la, la zone où c'est cher. Et la zone verte, c'est la zone où c'est euh, pas cher. OK. Ici, on a le prix des... 40 000 dollars par Bitcoin, donc c'est le prix auquel on est actuellement et le, auquel on achèterait euh, potentiellement. En fait, tout va dépendre et la réponse à la question est-ce est qu'il est temps d'acheter du Bitcoin, tout va répondre de votre horizon de temps. Moi, je vais vous donner le mien et du coup, je vais vous donner ce que je vais probablement faire. Alors, je vais pas mettre beaucoup d'argent non plus dessus parce que euh, la majorité de mon cash, j'aimerais bien investir sur le BTC si on arrive dans ma zone bleue, mais c'est, enfin, c'est pas, pas, pas mal acheté. Alors, il y a deux optiques. Soit vous êtes sur une optique long terme, aujourd'hui on est en 2021, vous voulez garder ça au moins peut-être... Euh, allez, 4-5 ans, pourquoi pas hein. Enfin je veux dire, ça passe vite, 4-5 ans, hein, c'est rien. Hein. Donc euh, pour moi en fait je me dis, bon, peut-être que le Bitcoin n'existera plus dans 4-5 ans. Hein. Peut-être que ça aura été remplacé par quelque chose de totalement nouveau. Peut-être qu'Ethereum aura bouffé le Bitcoin. Hmm. Ou peut-être pas du tout. Je me dis, bon, si j'ai un horizon de temps raisonnable, à horizon de temps 2025 franchement c'est pas non plus enfin euh, je veux dire en 4 ans j'aurais quoi j'aurais la trentaine 31 32 ans quelque chose comme ça bon, j'aurais même plus 32 que 31 mais euh... <laughs> mais je veux dire voilà c'est ça dans l'idée je me dis bon euh, je peux bien attendre de voir 3 4 ans ce qui va se passer si j'ai cette optique là et je vous remonte le bitcoin rainbow chart parce que c'est ça qu'il faut comprendre en fait hein. Si j'ai cette optique là, regardez, ne serait-ce qu'en 2024 ici, hein, un BTC qui vaudrait 40 000 dollars, je serai ici en fait. D'accord Je serai dans la zone et, et le prix théorique du BTC devrait être, alors encore une fois, 150 000. Mais encore une fois, tout ça c'est très théorique. Hein. Donc je me dis, bon, si j'achète ici, au niveau de prix normal actuel, ce niveau de prix normal, sur le long terme, je vais essayer même de, de vous extrapoler le graphique pour que vous compreniez bien. Sur le long terme, voilà, ça, peut ça sera peut-être mieux de le, de le montrer comme ça. Voilà. Si j'achète à 40 000 aujourd'hui, donc un niveau de prix normal et que j'ai un horizon de temps long terme, ben en fait ce prix-là, sur le long terme, un jour ou l'autre, ça deviendra un prix de solde, peut-être ici, vous le voyez, en euh, 2023. Et en fait, vu que moi j'ai un horizon de temps, je me suis mis à aller à peu près 5 ans, je ne vais pas trop me casser la tête, euh, 2026, bon, 2025, 2026, quelque chose comme ça. Bah, en fait, si j'achète à 40 000 et que, effectivement je veux garder jusqu'à 2025 et 2026, et que effectivement, encore une fois, hein, les fondamentaux continuent d'être aussi sur le BTC, que ça ne devient pas interdit, que ça n'est pas la disparition du BTC, en gros qu'il est encore là dans 5 ans, bah, en fait, ça reviendrait à acheter du Bitcoin en 2023 en solde, sur un gros crack, euh, qui peut-être n'arrivera d'ailleurs jamais, ou qui peut-être va arriver, d'accord Mais c'est ça ma réflexion d'aujourd'hui, en fait. C'est que le prix actuel aujourd'hui qui paraît normal peut devenir un prix de solde dans le futur et si je suis long terme ça m'intéresse si par contre vous avez un horizon de temps qui d'accord qui est court terme d'accord vous investissez d'ailleurs par exemple sur on va dire euh on va dire sur quelques semaines ouais c'est court terme hein? quelques semaines ok le bitcoin aujourd'hui il vaut 40, 40k. Vous, vous voulez le revendre d'ici trois semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. D'accord Bah, effectivement, en fait, si vous achetez à 40k le bitcoin et que vous voulez le revendre dans 3 semaines, 1 mois, bah, peut-être que vous allez le revendre ici, en fait. Peut-être que vous allez le revendre ici, moins cher. Vous allez le revendre 35 000. Donc, vous allez perdre. Peut-être que vous allez le revendre dans cette zone-là, ici. Vous allez le revendre 42, enfin. On n'en sait, sait pas trop rien en fait. Enfin, on n'en sait pas grand chose en fait. Vous voyez Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous êtes court terme, à ce moment-là, moi ce que je ferais, c'est effectivement, je privilégierais la bande verte ici. D'accord J'essaierais vraiment de payer le plus proche possible des soldes parce que je veux rentrer et sortir rapidement. Là, l'avantage de la stratégie long terme, c'est quoi C'est que j'ai pas besoin d'être précis pour gagner. Dans le sens où j'achète un peu. Tant que j'achète au marché, et même si j'achète un peu cher, hein, au final, regardez, même si j'achète là, à 60 000. Qu'est-ce qui se passe pour moi en fait si j'ai un horizon de temps long terme Mais un vrai horizon de temps long terme, c'est-à-dire plusieurs années. Je vous, je vous remonte le chart, vous allez vite comprendre. Imaginons que vous ayez acheté aujourd'hui le Bitcoin à 60 000, dans la zone orange ici. 60 000, ça, ça, ça deviendrait un prix de bonnes affaires en... Euh, en 2022, d'accord, et vous verrez ici que en 2023, je suppose que 60 000, voilà. Fin 2022, 60 000, ça sera un, un niveau de prix vert, et fin 2024, 60 000, ça sera un niveau de prix euh, ici euh, de solde, limite, d'accord, encore plus vert. Vous comprenez donc, plus vous êtes long terme, plus vous pouvez vous tromper sur votre niveau de prix d'entrée, ça ne sera pas grave si et uniquement si deux conditions sont réunies 1. Que le BTC continue d'exister dans le futur parce que c'est quand même ça au final qui va, qui va tout conditionner si aujourd'hui le Bitcoin il survit pas 5 ans euh, tout tombe à l'eau de que la tendance haussière s'accentue sur le BTC en fait tout simplement voilà que, que ce truc là ne, ne soit pas interdit quoi que le btc ne soit pas interdit bon l'argument 3 il va avec l'argument 1 qui continue d'exister quoi btc ne doit pas être interdit quoi d'accord pour jouer cette stratégie long terme en fait on doit on doit avoir ça en fait hein. on doit clairement avoir de la prédictabilité sur la survie du bitcoin et c'est euh, et c'est vraiment ça qu'on va aller chercher ok donc pour moi stratégie long terme je peux me tromper sur mon niveau d'achat, je peux être imprécis. Donc en l'occurrence, si je devais vous donner une réponse concrète aujourd'hui, maintenant, est-il temps d'acheter du Bitcoin Pour moi, à long terme, j'ai pas besoin d'être spécialement précis comme je viens de vous l'expliquer. Donc pourquoi pas, on est entre la MM200 et la MM365. Si euh, le scénario numéro 1 qui est que le Bitcoin continue à survivre dans le futur, qu'il n'est pas interdit. Euh, Qu'il brave entre guillemets toutes les, euh, toutes, les, toutes, les, toutes les... toutes les tempêtes, toutes les marées, toutes les. Toutes les euh, tout, tous les obstacles en fait, qu'une qu crypto-monnaie ou un actif nouveau euh, auquel, de, auquel un actif nouveau doit faire face. Le meilleur prix du monde aujourd'hui, en 2021, c'est pas le pire prix du monde en 2021. Et dans tous les cas, sur 3-4 ans, on le voit bien, hein, logiquement, que ce prix là, qui est un prix normal aujourd'hui, deviendra un prix... De soldes d'ici quelques années. Mais pour ça, encore tout autre débat, c'est à vous de répondre à cette question. Je ne veux pas faire la nounou des marchés financiers à tout vous donner. Deuxième scénario, je veux investir à court terme, enfin, même pas investir à court terme, du coup, à spéculer à court terme, je vais acheter pour revendre d'ici quelques semaines, peut-être même quelques jours. Auquel cas, 40 000, c'est pas un niveau de prix intéressant parce que bah, vous qui voulez investir à court terme, vous voulez très probablement acheter pas cher pour revendre plus cher, donc gagner le delta entre, euh, je ne sais pas moi, acheter à 30 000, revendre à 40 000, faire un tiers, donc 33% de performance en quelques jours. C'est très bien, c'est un, une autre façon de jouer, ok, c'est une autre façon de jouer. Euh, si vous voulez jouer de cette façon là, moi je, effectivement j'aurais tendance à ce moment-là à attendre beaucoup plus euh, un retour sur la MM365, ou pire un retour dans la zone bleue ici, en fait. La zone bleue, regardez, j'ai même déjà préparé mon setup. Euh, si on revient dans la zone bleue, en gros, le, le setup trading, c'est... Euh, voilà, c'est euh, j'achète 15 000, stop loss limite à zéro, je vis 60 000, rassurez-vous, 1 pour 3. Euh, c'est ce genre de truc-là qui peut être intéressant pour du trading, ok Mais c'est un tout autre jeu, du coup. Donc, vous avez vraiment, pour moi, à court terme, pas forcément si vous voulez investir... Enfin, si vous voulez spéculer à court terme, investisseurs de long terme, là, bah, de toute façon, vous le voyez, les grosses mains... Euh, bah, Redalio, pour moi, c'est un, 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 un bel exemple parce que j'aime beaucoup sa philosophie d'investissement. Alors. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gestionnaire d'Edge Fund américain qui gère plus de 120 milliards de dollars. Enfin, ça, c'était l'année dernière. Maintenant, il doit gérer un petit peu plus. Euh, le plus connu, celui qui gère le plus d'argent, en tout cas, un des seuls des plus connus, Bridge, euh, Bridge Water Associates, vous pouvez chercher sur Internet. C'est un type qui, en gros, avait un hedge Fund euh, quand il avait la trentaine, qui a tout perdu quand il avait la trentaine. Il a shorté les marchés dans les années 80. Euh, puis ensuite, il a remonté un fonds. Et là, aujourd'hui, il fait un tabac. Il est très, 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 très chaud. Euh, et il vous donne, il a écrit un, 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 un livre qui s'appelle euh, Life Principles, donc c'est des principes de vie dans lesquels il, il, euh, il vous partage des clés euh, sur comment vivre sa vie de façon harmonieuse, que ce soit, sur, que ce soit en carrière, finance ou vie personnelle. C'est un mec qui est vraiment cool hein. euh, pour le coup. Il est lisait le livre, je l'ai pas lu en entier, euh, j'ai lu ce qu'on appelle un résumé, hein, mais c'était vraiment pas mal. Et qui, ce qu'il vous dit, c'est que lui, bon, lui il acheté du BTC entre 30 et 40. Il croit justement à la technologie du bitcoin euh, à, long, à, à long terme. Alors, après, encore une fois, comme tout le monde le dit, c'est pas parce que X achète du bitcoin qu'il faut en acheter. Absolument pas. On n'est pas, on, on pas dans une secte. Hein. Encore une fois, on réfléchit avec nos cerveaux de façon indépendante. Euh, mais force est de constater, pour moi, aujourd'hui, cette baisse-là est une baisse qui permet de, de, de rentrer à, à, à bon prix. 60 000, c'était peut-être un peu cher. 40 000, c'est pas un mauvais prix. 30 000, c'était pas un mauvais prix. Je vous montre maintenant. Euh, je, je, je vais vous montrer maintenant la deuxième, euh, la deuxième partie enfin, dans cette deuxième partie de l'émission on va faire le point sur les cryptos en général on va regarder euh, Ethereum Litecoin etc ce qu'il se passe Alors oui, je n'utilise pas assez les introductions, les petits. Donc je mets un peu d'effet. Alors on va passer cette fois-ci à la question sur l'Ethereum. Je vous ai répondu concrètement pour le Bitcoin. Qu'en est-il de l'Ethereum J'adore cette crypto-monnaie. Je pense comme vous que on a. Enfin, voilà, je veux dire si vous suivez un minimum l'univers la... la... crypto, vous savez que qu'Ethereum c'est le. le... le... Pilier de, d'énormément de, d'applications décentralisées. Euh, je vais vous montrer la, la crypto hit map qui vous montre globalement d'un coup d'œil qu'est-ce qui, euh, qu qui est vert, qu'est-ce qui est rouge pour la journée. Alors, vous le voyez les tokens Ethereum ici euh, sont globalement dans le rouge, certains sont en vert. Vous avez Shiba Inu d'ailleurs qui a explosé hier, elle a pris 30, euh, 30 je crois quelque chose comme ça et on va on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Bon, sur l'Ethereum, on n'a pas encore un niveau de prix qui pour moi est intéressant. Le niveau de prix vraiment cool sur Ethereum serait situé ici idéalement entre 1000 euh, entre 1000 et 1800 dollars par Ether, on est à 23, euh, on est à 2500 et c'est pas dit qu'on aille jusque-là en fait. Donc les soldes sur Ether, c'est pas tout de suite, c'est un, un, un jeton en fait. Enfin, c'est même pas un jeton, c'est une crypto-monnaie qui est extrêmement recherchée. En même temps, vous me direz, il y a eu quasiment 90% de tout l'écosystème smart contracts du monde qui est sur Ethereum. Euh, voilà, pour l'instant, on n'a pas, pas, pas eu encore de solde. Cardano, qui est la concurrente euh, et qui est le projet concurrent direct d'Ethereum. Et est à 1,56. Pareil, le niveau, le niveau d'achat optimal sur Cardano pour moi, il est euh, ici entre la MM 200 et la MM 365. Euh, je peux vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur le Dogecoin. Alors, hier, on a eu un petit mouvement de, de hausse, je crois, de mémoire. Euh... Non, ce n'est pas, pas sur le Dogecoin, c'est sur Shiba Inu. Autant pour moi. Sur le Doge, on est en stabilisation. Je vais vous montrer ce qui s'est passé sur Shiba Inu. Hier, on a, on a pris une petite trentaine de pourcents. Euh... Alors, me demandez pas pourquoi, certains disent que c'est parce qu'il y a eu le Shiba Swap qui est sorti. Enfin, j'ai vraiment pas suivi ce dossier. On a pris 30%, c'est intéressant. Alors, après, encore une fois, vous le savez, c'est un, un, un coin qui a pour but de détrôner le Dogecoin. Donc, est-ce que c'est une, euh, euh, est -ce est une farce ou pas Ça, je vous laisserai en décider. Force est de constater que ces coins-là prennent de l'importance. Et vous avez aussi une information importante c'est le régulateur sud-coréen. Je veux que vous le notiez dans, dans vos agendas. Le, 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 le régulateur sud-coréen qui demande aux exchanges, aux principaux exchanges euh, crypto en Corée du Sud, de leur fournir une liste de tokens, une liste de tokens qu'ils veulent délister. Donc, euh, ce qui permettra ensuite de mettre en place des procédures d'élimination d'élimination des shitcoins. En gros, c'est, la, la grosse news, c'est que shitcoins et la grosse news, c'est quoi C'est que le, ré... c'est que le régulateur sud-coréen, en fait, veut commencer à, on va dire, réguler, <coughs> euh, réguler les, euh, les, 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 les altcoins. Mais alors, en gros, ils veulent imposer, ou ils veulent déterminer. Et ils demandent aux, aux principaux exchanges de, 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 de les aider dans cette mission. Ils veulent déterminer les facteurs qui permettent de reconnaître un bon projet d'un mauvais projet crypto, un projet où on peut où on, où on se dit que c'est globalement sain et un projet qui est uniquement construit, euh, qui, qui ne se sont pas renseignés. Ok. Dans ce, dans ce, dans ce contexte-là, en fait, je pense qu'on peut assister dans les mois à venir. Ça commence en Corée du Sud, ça finira forcément par faire ricocher un petit peu partout. Euh, dans ce contexte-là, on peut s'attendre, à mon avis, à, une, euh, à, à un premier en fait, euh, nettoyage sur, sur le marché des cryptos. En fait, hein. Là, je veux dire, c'était le paradis des, 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 des coins qu'on crée pour, pour faire tout et n'importe quoi. Je pense qu'à l'avenir, les, les gros exchanges vont commencer un petit peu à mettre en place, euh, et c'est déjà le cas, hein, mais vont commencer un petit peu à se structurer de façon plus, euh, plus grosse et vont commencer à faire la, à faire, à faire la chasse en fait, aux, aux cryptos qui n'ont pas de, de réel projet. Donc faites attention si vous investissez dans des cryptos alternatives qui ont pour but uniquement de monter rapidement euh, d'ici quelques temps ça peut en fait euh, tout simplement être, euh, être un jeu qui va euh, qui va être compliqué en fait ok alors encore une fois les cryptos sont décentralisés vous me direz mais je vous, je vous le dis mieux vaut prévenir que guérir là dessus Chainlink. Euh, donc perd 0,20%, euh, Polkadot prend 1,5%. Donc la plupart des autres cryptos en fait se portent bien. On a, on a pris un petit peu hier. Euh, mais on est toujours sur les MM200. Donc il n'y a pas grand chose, encore une fois, euh, à, à noter. Alors juste on a ICP par contre qui souffre, elle perd 1,6%, elle est à 59$ et elle continue de consolider. Euh, The chain prend 08%. Oui c'est ça, on est à 0,11, se stabilise dans son canal descendant qui va apparaître ici à l'écran d'ici euh, pas trop longtemps. Donc vous le voyez ici, donc euh, moi ma consigne elle est très simple en fait, hein. sur la plupart des cryptos c'est toujours pareil, c'est entre MM200 et MM365, je paye des projets qui m'intéressent. Euh, vous le savez, Bitcoin m'intéresse, bah forcément, hein, c'est voilà. Euh, Ethereum m'intéresse, mais on n'est pas encore dessus, Cardano m'intéresse, on n'est pas encore dessus. Solana m'intéresse, euh, on n'est pas encore dessus. Enfin voilà, tous les gros projets qui m'intéressent, à part Bitcoin, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans mes zones. Polkadot, Channeling, je les ai déjà prises, donc je les ai déjà en portefeuille. Euh, après c'est vrai que euh, Shiba, bon ça c'est pas forcément un projet qui m'intéresse euh, après ça peut être marrant d'en avoir un petit peu mais euh, c'est pas forcément un projet qui m'intéresse XRP pareil ça j'aimerais bien en avoir entre euh, entre MM200 et MM365 donc vous l'aurez compris en fait la plupart des cryptos effectivement et après c'est pareil hein, dans tous les cas c'est on, on retombera toujours sur ce schéma là donc c'est pour ça en fait que je me dis MM200 et MM365 c'est acheter une moyenne donc dans tous les cas même si j'achète pas forcément le meilleur prix sur mes cryptos si je joue mon, mon jeu long terme et que mes cryptos survivent et ça c'est une autre histoire par contre hein. après il faut encore qu'elles survivent hein, parce que ça c'est pas dit que dans cinq ans les cryptos qu'on achète là, là euh, chain link machin etc ça survivent j'en sais rien j'ai acheté mais je, je sais pas si ça sera encore là dans cinq ans par contre si c'est encore là dans cinq ans et qu'on a effectivement des fondamentaux haussiers parce que le projet il sert vraiment à quelque chose sur polkadot sur chainlink et sur, euh, bah après, pourquoi pas uh, The Chain aussi hein, que j'ai en portefeuille. Euh, je me dis que le prix que j'ai acheté là sera forcément un prix qui sera ici et me fera potentiellement gagner un jour de l'argent. Mais pour ça, j'ai besoin encore une fois de ces conditions-là. C'est simple. Hein, ici, vous pouvez remplacer le BTC par le coin en question que vous avez acheté. Doit continuer d'exister dans le futur. Doit toujours avoir une tendance haussière et ne doit pas être interdit. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Deux conditions, tendance haussière, il doit exister. Et c'est pour ça en fait que euh, Warren Buffett vous disait en fait acheter des actions, quand il parle d'actions, hein, acheter des actions qui pour vous existeront toujours dans 5 à 10 ans. C'est parce que lui, il joue cette stratégie-là justement. Il prend des belles boîtes, il les achète avec une décote en solde, il essaie de ne pas les acheter trop haut. Euh, si possible même euh, à bon prix, et après il les garde X années et il gagne sur cette espèce d'échelle logarithmique avec le temps en fait. Mais la condition, c'est que l'entreprise doit survivre dans le temps et doit continuer son de dossier. Deux conditions. Et, euh, et c'est pour ça qu'il achète que des belles boîtes, etc. Parce qu'une belle boîte, forcément, a un de dossier, une belle boîte est censée continuer à exister, comme Amazon, Apple, etc. Sur les cryptes, même méthodologie, je paye des projets qui, pour moi, continueront d'exister. Je prends, par exemple, CoinMarketCap, je regarde les plus beaux projets qui existent, je fais mes recherches comme un grand garçon, comme une grande fifi. Je me dis, Bitcoin, ça existe, ça n'existe pas euh, bah Oui, pourquoi pas enfin, En tout cas, si je devais, sur, sur, les, sur les plus de 10 000 crypto monnaies qui existent, en fait, la question c'est. Où est-ce que je mettrai la plus grosse probabilité que euh, cette crypto-là va survivre d'ici 5 ans et que cette crypto-là ne survivra pas bah, c'est simple. Je prends le top 100, j'analyse le top 100 et je me dis ok je fais un top 10 par rapport à, à mon top 100. Bitcoin d'ici 5 ans, est-ce qu'il a des grandes. Enfin, est qu'il a de grosses probabilités d'exister par rapport à toute autre euh, crypto-monnaie qui existe Bah oui. C'est la, la première qui est historique, donc oui. Ethereum, bah oui, logique. Tether, c'est pas une crypto pour spéculer, c'est un stablecoin, donc ça ne m'intéresse pas. Binance Coin. C'est un coin centralisé, ça me dérange un petit peu. Euh, donc, oui, peut-être qu'il existera. Le problème, c'est qu'il est centralisé. Donc, il dépend encore une fois d'une entreprise. Euh, c'est. Euh... Après, l'écosystème qu'ils ont construit est bien aussi. Donc, pourquoi pas en vrai. Hein, mais voilà. Cardano, est-ce que ça existera dans 5 ans Probabilité que ça existe toujours en 5 ans Pourquoi pas Oui. Alors, après, encore une fois, il faut que les gens et que les projets se développent de plus en plus sur Cardano. Mais pourquoi pas euh, Dogecoin, est-ce que ça existera dans 5 ans bah. Peut-être oui. Alors après, c'est encore une fois, hein, l'utilité du Dogecoin est peut-être un peu moins forte que tout le reste. Maintenant vous me direz quelle est l'utilité du Bitcoin par rapport au Dogecoin. C'est plus ou moins la même chose. Au final, le Bitcoin on l'utilise pas non plus pour des transactions du jour au jour au jour, au jour, au jour le jour. La seule différence c'est que le Dogecoin a un nombre infini de Dodge, alors que le Bitcoin a un nombre fini. Pourquoi pas? XRP, est-ce que ça existera encore dans, dans plusieurs années pour moi oui. Euh, USD Coin, Stablecoin, Polkadot, euh, bah oui, c'est un... C est, c est... C'est un écosystème qui permet de connecter, de de, 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 de de faire communiquer les blockchains entre elles. Donc oui, pourquoi pas. Euh, Uniswap, pourquoi pas. Oui, pareil. Enfin, ça, voilà. Chainlink, Solana. Et c'est et c'est toujours en fait ces questions-là que vous allez vous poser. En fait, c'est toujours les, les, les mêmes questions. Hein. C'est est-ce que la crypto que moi j'ai envie d'acheter, que moi j'ai envie de payer aux gens. qui est amené à progresser. D'accord. Et je veux dire, cette réponse-là, vous l'avez euh, assez, assez simplement en vous posant des, des, euh, des, des questions qui ont énormément de sens. Enfin, c'est juste du bon sens. Ok Donc, je pense qu'on a bien rappelé les consignes. Je pense qu'on est bon là-dessus. Je pense qu'on a fait euh, le point. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, Bitcoin long terme, oui, ça m'intéresse. Euh, Bitcoin, si je suis investisseur court terme, spéculateur de court terme, pas investisseur de court terme, ça ne m'intéresse pas. Ok. crypto les autres, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Long terme, MM200, MM365, oui, ça m'intéresse. Euh, si on est au-dessus des MM200, MM365, on est au-dessus d'un niveau de prix moyen, un niveau de prix normal en fait. Donc par définition, ça peut ne pas m'intéresser. Euh, sauf si le projet est extrêmement sexy, typiquement Ethereum ou Cardano, des projets qui ont vraiment le pouvoir de transcender un petit peu tout le reste, euh, j'accepterais de payer moins bien, un peu plus cher que la MM200. Euh, si le projet est vraiment bon, mais là, enfin, en l'occurrence Ethereum, c'est un projet vraiment bon. C'est même pas un projet, c'est c'est là-dessus que repose aujourd'hui quasiment toute l'intégralité du de l'écosystème. Donc euh, donc oui, euh, payer de l'Ethereum un peu plus de, enfin un petit peu plus cher que les autres, pourquoi pas, ok euh, Et à court terme, par contre, là, vous avez mon plan. Alors, on va passer à la deuxième partie, qui est la partie action devises matières premières. Est-ce qu'il y a de l'action sur les marchés actions traditionnels Alors. Alors, on va passer euh, tout de suite dans l'action, je vous propose qu'on voilà, ne perde pas de temps, on aille directement dans le vif du sujet. Alors sur les indices, il s'est passé quelque chose de relativement remarquable euh, la semaine dernière, c'est que suite, et c'est ce que je vous disais en plus sur YouTube, euh, je vous, je, je vous l'avais posté en plus sur, euh, comment dire, euh, sur, sur la communauté, je vous avais dit si l'inflation... Était supérieur à 4% la semaine dernière, c'est mauvais pour les actions. Je vais vous retrouver, enfin, je vais vous refaire le graphique sur l'iPad pour vous expliquer ce qui se passe. Bon, ça, ça et ça me permettra de voir d'ailleurs qui a suivi les cours de la semaine dernière et qui n'a pas suivi. Alors, on avait deux scénarios inflation qui était supérieure ou égale à 4%, et inflation qui était inférieure ou égale à 4%. Et on avait dit quoi Si inflation qui était supérieure ou égale à, à 4%, les actions. Enfin, actions et indices baissent. Euh, C'était quoi ensuite C'était devise. Euh, inflation. Euh, euh, devise monte. Euh, devise monte et on avait euh, matière première, oui, c'est ça. Matière première qui euh, forcément baisse, vu que la devise monte. Et inversement, si euh, l'inflation était petite, inférieure à 4%. Les actions et les indices devaient monter de façon folle. La devise devait baisser de façon folle. Quand je dis devise, c'est dollar US. Hein. Dollar US. Dollar US. Voilà. Et matière première, MP, euh, devait du coup logiquement monter de façon folle. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière euh, bah, Vous l'aurez compris, euh, l'inflation est ressortie à 5% aux États-Unis. Et du coup, bah, vous regardez votre Dow Jones depuis la semaine dernière, il ne fait que baisser tous les jours. Alors, s'il ne baisse pas de beaucoup. Euh, et la raison pour laquelle il ne baisse pas de beaucoup, elle est très 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 simple, c'est que mardi, mercredi, c'est-à-dire hier, aujourd'hui, la Fed doit commencer à commenter les premiers chiffres qu'on a reçus la semaine dernière, et on va tous essayer de regarder, enfin on ne va pas essayer, on va regarder ce qui se passe sur, euh, enfin, avec la Fed, et est-ce que on, voilà, les opérateurs de marché vont scruter tout simplement le fait que la Fed, euh, enfin si la Fed se, se prononce pour justement une... Euh, une hausse des taux ou non Est-ce que la Fed va dire écoutez, l'inflation commence à nous inquiéter, 5% ça va pas du tout, le mois dernier c'était 4%, là c'est 5%, on n'aime pas ça du tout, on va augmenter les taux C'est ça que tout le monde veut surveiller. A priori ça ne devrait pas être le cas et en tout cas la Fed ne devrait pas prononcer ces mots avant au minimum août. Pourquoi août C'est très simple, c'est qu'elle va laisser passer l'été, ça fait deux mois que l'inflation monte, il euh, y a un effet rattrapage, l'inflation est montée aussi en grande partie parce que le, les cours du pétrole ont remonté, donc dans le mode de calcul de l'inflation vous avez tout un tas de facteurs, vous avez euh, l'inflation euh, corps et l'inflation entre guillemets euh, normale, alors il y, y a deux méthodes de calcul, l'inflation corps enlève toutes les composantes volatiles, style euh, tabac, euh, pétrole, euh, carburant, euh, de, le, du calcul de l'inflation. Et vous avez l'inflation euh, normale qui, elle, est, est très forte parce que bah, quand vous avez euh, le prix du tabac qui augmente, ou je sais pas moi, le prix du pétrole qui augmente, ça fait, ça fait monter le coût euh, de, de, de ce panier-là moyen. Okay dans ce contexte-là, on est plutôt dans le scénario numéro 1, celui où les marchés actions, pour moi, devraient baisser petit à petit. Okay on va voir ce que la Fed nous dit, mais effectivement, l'inflation est forte. Donc, du coup, à mon avis, je vois mal pourquoi un gérant de fonds irait mettre des milliards de dollars à acheter des actions ici dans un contexte où l'inflation est forte comme ça. Euh... Moi, je pense qu'ils vont attendre une décote et que cet été, on va avoir un range à la limite sur laquelle on pourrait se positionner. Mais je pense que ça va être ça la stratégie. Euh... Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe sur les autres actions. Nasdaq, on a un premier ralentissement, c'est pareil, on est sur un haut en fait de, 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 de range en fait. Et, et, et je vois mal en fait un gestionnaire de fonds de plusieurs milliards de dollars acheter ici et faire all-in avec toute sa trésorerie pour acheter des actions et y jouer la hausse. Je pense vraiment qu'on va rentrer dans une période où ça va latéraliser un petit peu, d'accord euh, Donc les actions en général, c'est plutôt ça. Alors je vais vous montrer maintenant les matières premières, euh, ça peut être intéressant. Pour moi, les matières premières vont consolider petit à petit. Okay. Je vous montre un graphique par exemple du pétrole. Bon alors le pétrole lui c'est un peu différent parce que c'est une matière première qui est euh, notamment régie par, euh, par ce qu'on appelle du coup un... un... Comment on dit ça euh, le cartel de, de l'OPEP en fait, hein. c'est des pays exportateurs de pétrole qui vont fixer le prix, ils vont artificiellement couper euh, la production en fonction de, des objectifs qu'ils ont besoin d'atteindre. Donc s'ils ont besoin que ça monte, ils coupent la production. S'ils ont besoin de vendre plein de pétrole pour euh, faire de l'argent ou pour le faire baisser ou pour euh, éliminer un concurrent, ils vont produire à fond. Euh, on est à 72 dollars le baril, le pétrole on en avait acheté, en, en, je crois que c'était en avril, on l'a revendu en mai, on est touché un TP. Le pétrole est effectivement une des matières premières qui monte. Pour moi, ce que je surveille de façon active, c'est le, les cours de l'once d'or. Je vous ai mis euh, ici un graphique que je surveille. Alors, regardez, hein, l'once d'or pour moi aujourd'hui baisse et c'est une matière première qui est. Enfin, c'est bien que ça baisse en fait. C'est bien que l'once d'or baisse pour une raison qui est simple c'est moi j'ai envie d'en acheter et effectivement, plus ça baisse, plus ça me donne de, euh, des, des niveaux d'entrée potentiellement intéressants. Je vous ai calculé les ratios risque-rendement si on achetait de l'once d'or maintenant. Avec un stop loss à 1786 et euh, un objectif à 2049 dollars, 2050 dollars l'once. Donc en gros, si je risque 4% euh, pour en gagner 9,84, je risque 1€ euro pour en gagner 2,29. C'est intéressant. Un trade sur l'once d'or à moyen terme peut commencer à devenir intéressant à partir de maintenant. Okay je, me, je me suis mis une ultime alerte de prix ici en, en pointillé, donc le prix ultime que j'aimerais avoir. Encore une fois, 1832. Je ne sais pas si je l'aurai. Si je l'ai, je suis très content. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Je ne vais pas, euh, je ne vais pas en, en perdre le, le sommeil. Euh, copper, tiens, ça je voulais vous le partager. J'ai mis une alerte. Euh, J'ai une stratégie qui peut être intéressante à exploiter. Alors le copper c'est quoi C'est le cuivre hein, tout simplement. Euh, Rappelez-vous de ce canal ascendant qu'on avait déjà exploité sur le copper. On avait acheté ici à l'époque, on avait revendu ici, on avait gagné. Ensuite on avait acheté ici euh, sur la cassure, on s'était fait invalider ici sur le copper. Donc sur les deux trades copper qu'on a fait cette année, on est à un trade gagnant, un trade perdant, sachant que sur le trade perdant on a perdu un, sur le trade gagnant on avait euh, deux de gains, donc on est à plus un, quelque chose comme ça si je dois faire les comptes. Euh, J'ai potentiellement un troisième scénario en tête sur le cuivre. Alors je vous le montre. Euh, un petit peu comme sur l'once d'or, je me suis mis à niveau de prix ultime. Alors, je vais essayer de retirer la zone rouge pour vraiment vous montrer le setup. Euh, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Euh... Alors, c'est une stratégie ADR bas de canal. Donc, pour ceux en vous qui ne savent pas ce qu'est la fameuse stratégie ADR bas de canal, c'est très simple. C'est une des trois stratégies qu'on enseigne dans nos formations. La formation euh, sprint. Alors, la stratégie ADR, c'est une stratégie de. C'est une stratégie intermédiaire. Il faut. Je dirais bien maîtriser certains, c est, c est, certains outils techniques, euh, notamment l'analyse technique. Alors, je vais vous montre un petit peu les caractéristiques de la stratégie ADR. Je crois que je l'explique à la stratégie. Euh, oui, c'est ici, c'est à la 12e minute, je crois. Non, 10 euh, Stratégie ADR, oui, il y, y a deux choses à bien maîtriser. C'est pour moi le chartisme et avoir du sang froid parce que c'est des stratégies où on va anticiper des retournements de tendance. Okay euh, J'ai mis une ADR en place à 4,25,50. Le but pour moi sur ce trade-là, ça serait de. Viser 4,51 avec une invalidation très courte à 4,17. Encore une fois, ce trade-là, je vais peut-être le retravailler. Mettre un stop-loss plus large parce qu'il me paraît un petit peu, un petit peu short, ce, ce stop-loss. Bon, le ratio risque-rendement tel quel, il est de 1 pour 3,14. Il est très, très bon. Encore une fois, par contre, la, le seul truc qui me dérange un peu, c'est que mon stop-loss est effectivement très, 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 très court sur ce trade. Donc, c'est peut-être ça que je vais retravailler, peut-être trouver le moyen de le mettre plus large, histoire de prendre moins de risques, ok Donc, pour moi, le cuivre est dans un canal descendant. Hier, il a perdu quasiment 4%. Euh, mais mais et encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Hein, je vous ai dit, quand, quand, si l'inflation est pas bonne, ça sera pas bon pour les matières premières, ça ne sera pas bon pour les actions. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et euh, spoiler alerte, c'est ce qui devrait en tout cas continuer à se passer tant que la Fed ne nous donne pas d'indication euh, qu'elle veuille remonter ses taux. De toute façon, si elle dit qu'elle remonte ses taux, ça sera même encore pire. Ça baissera encore plus vite. Euh, et, et, et voilà, hein, mais pour moi, là aujourd'hui, effectivement, tant que l'inflation est forte, ça, les gens auront peur, entre guillemets, que la Fed remonte ses taux. Et donc, ils vont commencer à liquider leur dollar US, ou en tout cas à en acheter, et liquider leurs matières premières et leurs actions. Euh, parce qu'on est toujours, en fait, dans cette configuration-là. Hein, C'est euh, C'est toujours ça. ok C'est toujours ces deux scénarios-là qui, euh, qui, qui, qui vont, entre guillemets, driver le marché, qui vont, entre guillemets, euh, nous permettre à nous de... Sur, sur le futur. Okay. ok, bon, je pense qu'on est bon là-dessus. Je pense qu'on est bon. Euh, on va terminer avec peut-être les devises. Hop, et devises, 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 devise. Euh, devise, devise, devise. Bah, je vais vous montrer le dollar US et puis on termine. 8h56, c'est vrai qu'il est déjà peut-être un peu tard. Euh, au niveau des devises, alors avec une Fed, enfin, non, même pas, c'est même pas avec une Fed, hein, avec une inflation qui est forte comme ça. À quoi ça ressemble le dollar US bah, Je vais vous le montrer en weekly, peut-être que ce sera peut-être plus parlant. Vous le voyez, hein. euh, merci l'inflation US. La semaine dernière, on a eu un rebond. Le niveau et la zone rouge ici de support a été défendu Et oui, effectivement, de toute façon, tant que l'inflation est forte on va avoir ce spectre de la Fed qui remonte ses taux potentiellement, qui fera peur à tout le monde, donc ils vont payer du dollar US, ça va se calmer un petit peu, ok Donc le dollar US, à long terme, c'est toujours baissier selon moi, il y a toujours possibilité d'aller chercher 86, à court terme, ils vont, à mon avis, se calmer un petit peu ici, parce qu'ils ont tous peur que la Fed remonte ses taux, et, 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 et à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose, parce qu'ils parce qu doivent avoir peur que la Fed remonte ses taux, parce qu'on ne sait pas si, si la Fed va, 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 va... Voilà, on n'en sait rien, et mieux vaut être prêt. Euh, et et c'est tout. De hein. toute façon, après, on a toujours notre trade AUD/USD à, à l'achat, mais rien de spécial en plus. Alors, on va passer à la partie, euh, la partie coup, cool, la partie questions-réponses. Alors, euh, je vais commencer. Par prendre vos questions dans l'ordre chronologique, comme ça on va répondre petit à petit aux différentes questions. Je vais. Voilà. Alors on a Patrice Combe, un de nos habitués, qui nous dit bonjour, salut Patrice, euh, Victor également qu'on reconnaît. Euh, salut Victor, Mickaël Pio Pio Vézan. Euh, Bête de but nous dit Michael Bienvenue à toi Mickaël. Euh, en tout cas, c'est la première fois qu'on te voit sur le chat. Donc bienvenue dans la communauté. Dacha qu'on connaît. Très très bien, Zoom Zoom Coco également nos habitués, Lariost également qu'on connaît euh, très très bien. Bonjour à tous. Alors The Ratcher 73 qui nous dit bonjour à Sylvain et, euh, et à tous. Alors que penses-tu de l'action FDJ donc française des jeux J'ai vu qu'elle est dans ta watchlist. On dirait qu'elle se comporte comme une valeur refuge. Alors oui, euh, on, on peut la regarder. C'est vrai que c'est pas une action forcément que j'ai achetée hein, française des jeux. Après c'est pas forcément une mauvaise action. C'est une action comme une autre. Alors, la FDJ, tutututu, je l'ai dû la mettre dans quoi Je sais même pas. Euh, Peut-être dans. Je pas dû la mettre dans indice, à mon avis. Euh... FDJ, 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 je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, on va... je, vais, je vais la rajouter ici, au pire. Non, bah, l'action française des jeux, j'en pense pas grand-chose, dans le sens où je ne l'ai pas spécialement achetée. Euh, Ce n'est pas, action... pas une valeur que je surveille là, à très court terme, en fait. Hein. Euh, depuis son introduction en bourse, il y a quelques temps, Là c'était en 2020 de mémoire, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas resurveillé. C'est une belle action. Elle fait sa vie. De toute façon, elle euh, est sur des fondamentaux solides. Hein. La FDJ, c'est. C'est ici. Ouais, non, c'est vrai que c'est un beau parcours boursier quand même. Hein. Franchement, il n'y a, a pas à dire. Hein. <laughs> franchement, il n'y a, a pas à dire. Ce truc fait son introduction à 20. On est à 50. Non, franchement, il n'y a rien à dire. C'est beau. Bon, bah, ils sont sur un marché qui est bien en même temps. Hein. Ils sont sur le marché du Paris. Euh... <laughs> Les gens ont toujours envie de jouer, donc euh, non, c'est fondamentaux solides. J'en ai pas en portefeuille, donc tant pis pour moi. Mais non, j'ai pas spécialement grand chose à dire dessus. C'est une belle valeur, mais j'ai pas... Pas, anal... enfin, pas analysé plus les fondamentaux que ça, donc je vais pas vous faire euh, une, une analyse un peu euh, mal faite. Alors, que penses-tu du boîtier Helium, rentable ou pas Alors, je connais pas du tout. Euh, Ludovic, salut Sylvain, salut la team café. Attendre 3-4 ans, euh, c'est pas bon, tu vas te manger à un bear market. Bah, pff oui comme tout comme tout investissement hein. quand, quand on investit à long terme dans tous les cas il y a toujours des phases de hausse et de baisse et euh, non enfin c'est pas enfin se manger un bear market c'est pas mauvais quand vous achetez des actions dans, et que vous les mettez dans un PEA pendant 5 ans pour bénéficier de l'avantage fiscal vous prenez des baisses de moins -10 moins -15 de temps en temps tous les 1 an et demi tout, tous les un an et demi 2 ans c'est pas ça qui fait que vous de toute façon c'est simple hein. si vous achetez et ça c'est Warren Buffett qui le dit mais si vous achetez une action dans une optique du euh, dès qu'elle perd 5 ou 10% je la revends, dans tous les cas c'est que vous ne deviez pas acheter l'action, c'est ce qu'il dit, et c'est vrai dans tous les domaines, crypto-monnaie, action, ou euh, même je sais pas, moi je vais dire immobilier, ça n'a rien à voir parce que c'est pas une classe d'actifs qu'on peut liquider en, en deux minutes, mais... Pour moi, c'est la même philosophie partout. Si tu achètes un truc et que le lendemain tu as envie de le vendre parce qu'il a perdu 5%, c'est déjà tu trouvais que le, en fait, ça veut dire que le projet pour toi ne t'intéresse pas vraiment. En fait. Ça veut dire que pour toi le projet n'est pas assez solide et dans tous les cas ton optique était juste de gagner de l'argent à court terme dessus et pas d'investir à long terme. C'est deux choses différentes en fait. Hein. Et ça, vous devez vraiment comprendre comment ça marche et vous devez vraiment l'intégrer dans, euh, dans vos états d'esprit d'investisseur si vous voulez être investisseur. Encore une fois, quand vous dites que vous voulez investir sur le long terme, il y a long terme et long terme. Euh, long terme, ce n'est pas un mois. Long... Un mois, c'est un horizon de temps court terme. Donc, si vous voulez investir sur deux semaines, un mois, il faut que vous soyez très précis sur votre niveau d'achat et sur votre niveau de vente. Si vous investissez sur plusieurs années, moi j'ai plein, 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 plein de, de nos followers qui, qui font de l'investissement à long terme. Ce sont des gens qui font de l'immobilier, de la bourse, qui achètent des trucs, les gardent longtemps et en principe achètent des trucs de qualité. C'est le même discours que tout le monde a en fait. Hein. Ils vont sélectionner des projets qui sont bons, ou en tout cas qu'ils estiment bons. Ils achètent comme un, comme un emplacement en immobilier ou comme une belle action en bourse. Et ensuite, ça ne regarde plus le, le truc. Et demain, et, et je vous donne un exemple concret, vous achetez Tesla parce que vous croyez à Tesla. Vous l'achetez il, il y a quelques années. Il y a deux solutions. Vous étiez un spéculateur de court terme sur la baisse de Tesla. Vous avez, eu, euh, vous avez eu peur, vous avez tout vendu, vous avez raté toute la hausse. Vous étiez quelqu'un qui croyait au projet d'Elon Musk. Vous pensez que bah, d'ici 5, 10, 15 ans, il allait vraiment euh, lancer ça. Sa gamme de voitures électriques et que ça allait être un succès, et vous avez gardé Tesla, vous avez bénéficié de toute la hausse. Il y avait deux scénarios soit ça se crachait, il y avait 80% de chances que pour que ça se crache, et il y avait 20% de chances que ça réussisse. Et, euh, et c'est la même chose dans les crypto-monnaies en fait il y a 80% de chances que ça se crache quand on paye un projet. Franchement, c'est ça hein. euh, il y a 20% de chances que ça réussisse. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse payer les projets les plus intéressants. Et dans tous les cas, si vous voulez investir à long terme et faire x10 sur vos crypto-monnaies et que vous n'êtes pas prêt à perdre au minimum la moitié de votre investissement, voire la totalité, c'est que vous n'êtes pas en cohérence mathématique avec le marché des crypto-monnaies actuel. Encore une fois, iPad, je vais vous le remontrer, mais c'est logique en fait, c'est on ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, et euh, pour rester très... Euh, la crémière. Hop, je vous montre ça. Encore une fois, et je vais le répéter, et je le répéterai tout le temps, tant qu'il qu le faudra. Vous voulez viser... Une courbe exponentielle comme ça et faire x10, vous ne pouvez pas espérer faire x10 sans à un moment donné prendre le risque de perdre 80%, voire 100% de votre investissement. Et quand bien même vous investissez sur une crypto, vous perdez 100% une fois et vous faites x10 une autre fois, vous avez un ratio risque rendement de 1 pour 10. C'est énorme, ça veut dire que vous pouvez vous tromper je ne sais combien de fois et avoir raison très 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 peu de fois en fait. Vous voyez Donc c'est toujours la même histoire. Si vous investissez à long terme, c'est que vous voulez faire. Ce type de mouvement-là, pas forcément x10, mais peut-être x2, fois x3, fois x5. Fois Et dans tous les cas, il faudra euh, essuyer des périodes de ce qu'on appelle de drawdown, de, donc des périodes de baisse. C'est logique en fait. Euh, bonjour Sylvain, peux-tu nous donner ton avis sur la réunion de la fête qui se tient actuellement Et peut-elle influencer le, euh, le cours du marché des crypto-monnaies Très 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 bonne question euh, de la de Denis Quadrieux. Alors, pour moi, oui, effectivement, on avait fait un point la semaine dernière tous ensemble sur. La Fed sur les taux et effectivement en fait quand vous avez les taux aux États-Unis qui augmentent, la valeur du dollar américain a tendance à euh, mécaniquement augmenter. Donc typiquement vos stable stablecoins comme Tether, comme USDC, comme euh, ce que vous voulez vont augmenter aussi, hein, tout simplement parce que enfin vont pas augmenter en valeur parce qu'ils ont tout, ils, va, ils vaudront toujours un dollar, mais euh, vont, 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 auront une valeur qui va augmenter et mécaniquement la valeur des actifs restants les cryptos, les matières premières, les actions, va baisser. Quand le dollar monte, mécaniquement, et que le reste reste à, au même niveau, il n'y a pas de changement, la valeur de ces trucs-là baisse, parce que le dollar monte, et quand le dollar est faible, s'affaiblit, est en tendance baissière, les, le prix des actifs a tendance à... Monter pour compenser cette baisse du dollar US. Et donc le prix des, des, des actions monte, le prix des matières premières monte et le prix in fine des crypto-monnaies finit aussi par monter. C'est une classe d'actifs comme une autre, c'est une classe d'actifs qui est numérique. Okay Elle est différente de celle qu'on a l'habitude de connaître. Elle est numérique. Donc ce qui se passe pour répondre concrètement à ta question avec la Fed actuellement, c'est qu'ils vont analyser les chiffres de l'inflation et ils vont. Alors, et c'est ça qu'on a. Qu c'est le truc que redoute tout le monde. Hein. Là on attend juste. Un truc, c'est qu'ils ne disent rien de mauvais sur l'inflation ou les taux. On ne veut pas qu'ils nous disent un truc du style euh, l'inflation a accéléré au mois de mai, ça nous inquiète. S'ils disent ça, tout le monde va anticiper une hausse de taux aux États-Unis, tout le monde va commencer à payer du dollar US, à vendre des actions, des matières premières, et in fine, les cryptos vont aussi en, en prendre un, un bon coup dans la tronche. Donc voilà, c'est ça que tout le monde surveille actuellement au niveau de la Fed. Et euh, ce qui se passe sur la fête se passe également sur, sur tous les autres marchés. Euh, pas grave sur du DCA. Bonjour James Ken. Cyril Limo également qu'on salue. Avenir est dans le Cardano. Listing sur Coinbase de Shiba. Merci. Euh, bah oui, merci Zoom Zoom Coco. Effectivement, le listing de Shiba. Alors ça, tu vois, par exemple, je n'avais pas suivi. Donc on remercie notre ami Zoom Zoom Coco. Euh, tiens, vous êtes plusieurs d'ailleurs à avoir suivi ce dossier-là. Euh, Sabine Carole également qui avait suivi ce dossier-là. Bienvenue Sabine, d'ailleurs, première fois qu'on vous voit sur le chat. Euh, Poluxu U également qu'on n'a jamais vu sur le chat. Bienvenue à toi. Euh, VTHO, c'est le carburant du VET, non Oui, quand vous, euh, vous stackez du, du, du VET, du VET Chain, euh, vous produisez du, ce qu'on appelle du VTHO. Le VTHO, c'est le carburant qui est utilisé sur la blockchain VET Chain. Le VTHO a un prix qui, est, qui est lui distinct. Vous pouvez le revendre hein, sur le marché secondaire. L'utiliser pour euh, faire vos opérations sur la blockchain, votre chaîne, si c'est ce que vous voulez faire. Salut Sylvain, Tim Marteau. Alors, pour le bitcoin, quel facteur pèse le plus dans la balance Acheter tôt ou acheter bas Comme il y a de la volatilité, avantage au prix bas, mais si le prix tombe de moins en moins bas dans le temps C'est une question qui est bien. Alors, tiens, euh, il a complété sa question, Larios. Quelqu'un qui a acheté au maximum du marché en 2014 à 1200 dollars et donc euh, qui, au moment où il l'a acheté, a fait une mauvaise affaire, et bien à ce prix-là, on, on ne le reverra plus jamais. Oui, BTC à 1200 dollars, à mon avis, à moins qu'on interdise mondialement le bitcoin, mais ce qui n'est pas le cas, vous le voyez, le président du Salvador l'a autorisé. Et d'ailleurs, euh, grosse news, euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, les amis, en Tanzanie, alors vous me direz, c'est un petit pays, mais voilà, euh, ils réfléchissent à adopter le Bitcoin un petit peu comme le Salvador l'a fait comme, euh, et, à, et, à, et à, à le considérer comme une, un moyen de paiement officiel. En fait, on, les petits pays, euh, et vous avez beaucoup de pays d'ailleurs en Afrique, euh, lisez un petit peu les news, veulent accepter et reconnaître le Bitcoin comme un moyen d'échange ou un moyen de paiement officiel pour une raison qui est simple. Ces petits pays, la majorité des pays d'ailleurs euh, en Afrique, aujourd'hui se financent d'une façon un petit peu archaïque. Dans le sens où, euh, bah, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas si vous ne le savez pas, bah, on va, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Moi j'ai eu un cours dessus quand je travaillais chez un courtier américain en bourse. On a eu une formation sur les banques centrales par un ancien, par un ancien employé de la Banque de France qui, était, euh, qui, qui est très bon, hein, qui s'appelle euh, Philippe Lermi. Vous pouvez retrouver son CV sur internet, mais qui est, il bossait à la Banque de France, il est sérieux. Et il nous avait expliqué qu'en euh, gros, effectivement en Afrique, c'est vrai qu'il bah, y a encore le franc CFA, comme vous le savez, et donc du coup, en fait. Qu'il y a pas mal de pays africains qui ne contrôlent pas encore leur monnaie ou qui n'ont pas de pouvoir sur la, sur, sur, sur la création de leur monnaie. Alors ça peut paraître fou, mais en fait c'est vrai. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des pays en Afrique qui ne sont pas euh, souverains sur leur monnaie. Ils vont acheter leur franc CFA à d'autres banques centrales, notamment à, à la Banque de France. Euh, et du coup, bah oui, quand un pays ne contrôle pas sa monnaie, en général, c'est pas forcément bon pour ce pays. Et pourquoi en fait beaucoup de pays africains veulent. Adopter les crypto-monnaies et les reconnaître, c'est parce qu'ils veulent utiliser ce qu'on appelle la finance décentralisée, la DeFi, okay? d e f -I. Et la finance décentralisée, c'est la possibilité pour n'importe qui, particulier, professionnel, institutionnel, d'accéder à des services financiers traditionnels sans les inconvénients du, du, du système traditionnel. Exemple, euh, vous êtes interdit bancaire, vous ne pouvez pas faire de prêt à la banque grâce à la DeFi, à la finance décentralisée, vous pouvez obtenir un prêt en mettant en gage, en collatéral, une partie d'objets de, de valeur. En l'occurrence, en principe, quand vous voulez faire un prêt en finance décentralisée, vous devez apporter euh, ce qu'on appelle du collatéral. C'est comme si vous mettiez en gage quelque chose et ce quelque chose, en général, c'est des cryptos. Typiquement, vous voulez emprunter 10 000 euros euh, sans passer par une banque traditionnelle parce que, je sais pas, moi, vous êtes interdit bancaire. Vous allez apporter 12 000 euros d'Ethereum à une, à une, sur une plateforme de lending de prêt et vous allez mettre en gage vos 12 000 euros d'Ethereum et ils vont vous donner 10 000 euros enfin, en euros ou en dollars. Okay Alors vous allez me dire mais pourquoi est-ce que je dois mettre plus que ce que j'emprunte je, que que Typiquement, si j'ai 12 000 euros d'Ethereum, pourquoi est-ce que je revendrai pas mon Ethereum pour avoir mes 10 000 euros dont j'ai besoin bah En fait peut-être qu'aujourd'hui vous avez investi dans les cryptos. Parce que vous investissiez à long terme et que vous n'avez pas envie de shooter vos investissements, vous les gardez à vos éthères. Par contre, dans le monde réel, vous avez besoin de vos euros pour, je ne sais pas moi, acheter, euh, acheter, euh, voilà, acheter des bouquins, euh, payer vos études. Et pour éviter, entre guillemets, d'avoir à choisir entre ses investissements long terme et sa vie à court terme, la DeFi, la finance décentralisée, a mis en place tout un tas de choses. Hein, mais ça, c'est un des services qui existe parmi tant d'autres. Il y a aussi des assurances que vous pouvez prendre sur la finance décentralisée. Euh, vous pouvez mettre en gage des objets de valeur qui ont une plus grosse valeur que ce que vous empruntez. Comme ça, si vous vous barrez avec la caisse, que vous ne remboursez jamais le prêt, ils gardent vos Ethereum, ça vaut plus. Et, euh, et puis, si vous aviez besoin de prêts à court terme bah, de 10 000 euros, vous, euh, vous utilisez vos 10 000 euros, vous les remboursez, vous payez les intérêts, ils vous rendent vos Ethereum, tout le monde est content. C'est comme ça que ça globalement fonctionne sur la finance décentralisée pour, le, pour les prêts. Encore une fois, il y a plein de services. C'est un écosystème qui est relativement nouveau, qui existe depuis 2017. Les petits pays voit un intérêt énorme à la finance décentralisée parce qu'elles y voient la façon et le moyen le plus transparent pour elles de se refinancer. Elles, elles, elles pourraient déjà d'une émettre leur propre crypto euh, et être leur propre banque cette fois-ci et ne plus dépendre par exemple d'une banque centrale tierce pour émettre leur propre monnaie, hein, ce qui est quand même un peu fou. Euh, elles pourraient accéder à des services de prêt. Aujourd'hui, comment un État se finance en général, un État se finance par des obligations. La France émet des obligations, l'OAT à 10 ans. Les États-Unis émettent aussi des obligations à 10 ans. L'US Tenures euh, que, que vous avez sur TradingView, c'est tout simplement ça. Et en gros, vous payez, vous achetez une obligation, ça coûte à peu près 100 000 euros en général. Et vous, et vous êtes rémunéré à 1% par cet État, 1, 2, 0, 5, enfin voilà, les taux sont fluctuants. En gros, plus euh, le, le taux auquel l'État euh, vous paye est élevé, plus ça veut dire que cet État-là est à risque. Ok ça, c'est globalement comme ça que les États se financent. Aujourd'hui, je suis le président d'un petit pays africain, j'ai besoin de me financer. La, la meilleure façon de le faire, c'est d'émettre des obligations, donc des titres de dette, sur le marché euh, primaire ou secondaire. Okay je dis, j'ai besoin de 100 milliards. Euh, Allô, les investisseurs, qui veulent me prêter 100 milliards Ah, tiens, toi, aux États-Unis, tu veux me prêter, mais tu veux me prêter à 10% d'intérêt. intérêt. Ah, ouais, c'est pas cool, c'est quand même cher. Toi, tu veux me prêter 7%, ouais, pourquoi Parce que je suis un petit pays, oh, t'es méchant. C'est globalement ça les, 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 les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et grâce à la finance décentralisée, bah, ils voudraient lever de l'argent pour financer leur vie et leur pays à des taux plus avantageux. Ce qui est logique en même temps. Euh, voilà, hein. Au lieu d'être financé à 7%, 8%, 10%, bah, s'ils peuvent emprunter à 2%, bah, c'est quand même moins usurier et donc ça participe à une meilleure... Euh, à une meilleure économie pour eux, enfin, c'est logique. Donc, c'est pour ça que les petits pays vont avoir tendance, à mon avis, à adopter les crypto-monnaies parce qu'ils ont tout intérêt à le faire, ça va dans leur sens. Et les gros pays, effectivement, à le rejeter parce que c'est un petit peu en concurrence avec tout ce que euh, ils ont déjà construit en termes d'infrastructures financières. Donc, on a un petit conflit d'intérêt entre les petits et les gros pays. Voilà voilà, euh, donc ça je pense que j'ai répondu, euh, tch, 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 hello à tous, comment avoir la MM200 et la MM365 Vous tapez moyenne mobile 200, 365, sur TradingView vous les trouverez assez facilement, enfin TradingView sur, euh, sur n'importe quelle autre plateforme, ou vous tapez moving average euh, alors, pour décentralant les jeux, non Pour Holo, alors je connais pas trop ce, ce. Alors, le live bug un peu, Sylvain. Le son saute parfois et l'image se frise. Oui, effectivement, je sais, hein, ça arrive de temps en temps. Euh, je suis vraiment désolé pour ça. C'est pas moi qui maîtrise cette partie-là. Leonardo, salut Sylvain, la forme, super. Que pensez-vous du Shiba qui va être listé sur Coinbase Pro Il a déjà monté de 30%. Bah, de toute façon, à chaque fois qu'un coin est listé, il a tendance à pumper. Mais en général dans les séances qui suivent il baisse donc à vous de voir ce que vous voulez en faire. Euh, L'action Nicolas Corp, je ne l'ai pas surveillé. Stop suiveur, l'utilises-tu Non. Alors je n'utilise pas stop suiveur pour une raison qui est simple, c'est que la majorité de mes euh, trades sont soit des investissements de long terme, donc du coup là, il n'y a pas besoin de spécialement regarder tous les jours. Et pour les trades à court terme, j'ai une politique qui est relativement simple. J'ai un TP, un stop loss, je le respecte de A à Z, je me casse pas trop la tête avec, le, avec ça. Mais on peut trader avec du stop-suiveur, hein. il y a des gens qui ont des stratégies là-dessus. C'est vrai que c'est pas forcément la stratégie sur laquelle moi je... Enfin, je ne vais pas baser la mienne dessus, je ne travaille pas de cette façon-là. Alors, euh... c'est la deuxième fois que Sabine est avec nous, elle était déjà apparue pour T-Fuel. Euh... Est-ce que tu fais du trading sur les cryptos Oui, quand il y a des opportunités. Alors, j'ai l'impression que toute la masse va commencer à holder du coup sur le long terme, comment ça va se passer si 80% des gens hold. Euh, non, bah après encore une fois, ça, euh, ça dépend. Déjà, il faut savoir sur quoi les gens vont holder, et puis si les gens hold, c'est jamais une mauvaise chose. Euh, je vous donne un exemple concret l'or. Les gens le hold. Hein, je veux dire, aujourd'hui, vous, aujourd vous n'échangez pas d'or dans vos magasins, pourtant la valeur de l'or monte avec le temps. Donc, le fait de holder, c'est-à-dire de garder, il euh, y, y a ce qu'on qu appelle la théorie de la bonne et de la mauvaise monnaie. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un truc qui dit que toute bonne monnaie est remplacée à terme par une mauvaise monnaie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la bonne monnaie typiquement c'est l'once d'or. Okay je ne sais pas si vous le saviez à une époque où euh, les choses étaient un minimum bien faites le dollar américain était échangeable quand vous aviez un billet d'un dollar américain vous pouviez l'échanger contre une partie euh, contre, contre, contre une certaine quantité d'or qui, euh, euh, qui était inscrite sur tous les billets américains. c'était marqué vous pouvez échanger ce billet contre de l'or. et c'est ce qu'on appelle l'étalon or c'est-à-dire qu'en gros la monnaie d'un pays est basée sur la quantité d'or que possède ce pays. Donc vous l'aurez compris, la monnaie a une valeur intrinsèque parce que la monnaie est baquée et est soutenue par quelque chose de, euh, de physique. Et ce qui s'est passé avec euh, Bretton Woods, c'était dans les années 70-74, euh, les États-Unis ont retiré ce qu'on appelle l'étalon or. Donc ils ont dit aujourd'hui le dollar américain n'est plus indexé sur l'or. Et quand vous avez un dollar américain aujourd'hui, vous n'êtes plus possesseur d'une quantité d'or, vous êtes juste possesseur du dollar américain, du papier et, euh, et de votre foi en l'état américain. Donc, c'est ça la théorie de la bonne et la mauvaise monnaie. Et, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Les gens ont acheté de l'or, l'ont stocké, l'ont plus jamais utilisé. Et du coup, les gens se sont mis à utiliser la mauvaise monnaie, le dollar qui ne vaut théoriquement pas grand-chose. Et c'est le dollar qui aujourd'hui domine. Parce que la bonne monnaie, les gens la gardent de côté, ne l'utilisent pas, veulent la garder pour eux. Donc, du coup, elle disparaît de la circulation. Et la mauvaise monnaie, vu que personne n'en a rien à, à faire en général, l'utilise de, euh, de façon abusive. Et là, et. et hum, et c'est un petit peu ça aussi sur le bitcoin. On peut avoir la théorie de la bonne et de la mauvaise monnaie. Typiquement, si le bitcoin c'est de l'or et que les gens ne veulent plus utiliser du bitcoin pour leurs transactions parce qu'ils considèrent que c'est la bonne monnaie, ça va disparaître de la circulation, ça va être stocké dans des coffres et les gens vont utiliser quelque chose qui est soit basé sur le bitcoin, soit un dérivé du bitcoin pour payer. Okay Donc c'est. Voilà. Donc pour moi, si la majorité hold du bitcoin, c'est comme avec l'or. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, je ne connais personne qui va payer sa baguette de pain avec. Une fraction d'or, les gens l'ont au coffre, à la limite, pour, pour, pour les plus anciens qui ont du patrimoine, et paye avec des euros traditionnels. Donc ça ne va pas impacter la valeur de façon négative, en tout cas des crypto-monnaies. Euh, ta -ta -ta -ta, euh, Mus exactement. Ciao, Ethereum fait de la place à Flair Network. On a des gens qui sont chauds, qui font de la pub pour leur crypto ou leur écosystème. Hello Tiger euh, oui, on met un pouce. Bitcoin comme monnaie nationale, El Salvador, est-ce vraiment, euh, euh, est vraiment réaliste pour les débancariser Alors, est-ce vraiment réaliste pour les débancariser Comme je vous l'ai dit, en fait, tous les petits pays, pour moi, ont, ont effectivement un vrai intérêt, une carte à jouer sur les crypto-monnaies parce qu'ils vont accéder à des services et des conditions de financement qu'ils n'auraient pas dans le monde normal. Euh, ça peut être intéressant pour eux. Aujourd'hui, je suis un petit pays, j'ai tout intérêt à accueillir les cryptos. Pourquoi Parce que je peux, je peux attirer les mineurs. Donc... Tous les gens qui vont miner cette richesse numérique, les mettre chez moi, leur donner un paradis où il y a très peu de taxes, peut-être des bonnes connexions internet, peut-être des avantages X Y Z. De deux, ça me permet d'accéder aussi à un mode de financement meilleur, finance décentralisée. Je peux lever de l'argent sur des marchés, des marchés totalement libres pour le coup et donc euh, emprunter vraiment pas cher, fournir des services pas chers. Enfin, les petits pays ont plus à gagner que les gros pays dans, ce, dans, dans, dans cette configuration là pour moi. Euh, après, les gros pays n'ont pas non plus énormément à perdre non plus. Il y a un moment donné, il ne faut pas voir l'innovation comme l'ennemi entre guillemets de l'État. Effectivement, la blockchain a un potentiel de transcender, je dirais, la société actuelle, tout comme Internet l'a fait. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas être résistant au changement. Enfin, pas, on est tous résistants au changement, c'est normal, c'est humain, mais il faut aussi savoir un petit peu être ouvert d'esprit. Voilà, les amis. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait voir ensemble euh, aujourd'hui. Euh, alors, pour ceux d'entre vous d'ailleurs qui veulent nous rejoindre sur Sprint, je vous remontre euh, la procédure. Si vous voulez nous rejoindre sur la formation Sprint, je vous invite à vous inscrire euh, sur cette page et à accéder aux 4 vidéos offertes. Les 4 vidéos offertes, c'est tout simplement euh, une version d'essai de notre formation Sprint. Elle comporte un peu plus de 39 vidéos. Donc, du coup, euh, on vous a mis 4 vidéos qui vous permettent déjà de démarrer un petit peu. Donc, voilà, la formation Sprint elle est gratuite. Euh, vous pouvez y avoir accès gratuitement en ouvrant un compte chez un de nos courtiers partenaires. Il vous suffit pour cela euh, de disposer. D'un compte de trading de 500 euros plus que vous aurez ouvert via notre lien partenaire chez XTB France, il faut utiliser le lien ici qu'il y a sur cette page là et ensuite nous envoyer un mail à contact ultra Et si vous voulez voir si la formation vous plaira, vous accédez aux quatre vidéos offertes, c'est la version d'essai. Et si ça vous plaît, vous nous envoyez un mail, vous nous dites salut, j'aimerais vous rejoindre, comment est-ce qu'on fait, et puis on vous aidera. On se retrouve du coup, les amis. Euh, bah directement demain pour une nouvelle vidéo. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir ici. Si euh, ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne. Hein, vous êtes encore euh, un peu plus de 90% à hein, ne pas avoir activé la cloche. Euh, donc je vous invite déjà à vous abonner et à activer la cloche. Pour ceux d'entre vous qui ont bien aimé le match de l'équipe de France d'hier et qui ont bien aimé cette vidéo, vous prenez le pouce bleu, le marteau de Thor et vous l'explosez. Et puis je vous dis à demain matin en forme euh, pour une nouvelle émission du Tigre. Ciao, ciao les amis.